à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juin slash début bien entamé du mois de juillet il est 15h51 nous sommes le 18 juillet au moment où je tourne la vidéo vous l'aurez quelques temps euh, après le tournage donc il me restera des minutes de montage mais voilà je voulais euh, finir absolument les signes ce mois-ci le temps libre euh, le peu de temps libre dont j'ai pu bénéficier donc euh, ces trois premières semaines de juillet a été dédiées à une formation et aussi à la santé, il fallait que je règle un petit pépin voilà qui durait depuis euh, un certain temps mais vous savez c'est au bout d'un moment on se dit c'est pas grand-chose, il y a des ajustements mais si je ne fais pas euh, correctement les choses, ça va s'amplifier. Donc j'ai préféré prendre un temps, un vrai temps cette fois-ci pour le faire une bonne fois pour toutes, pour être déjà cohérente avec les messages que je vous envoie, euh, ce que je veux partager aussi hein, avec vous en, on va dire, en en équilibre émotionnel, spirituel, pragmatique, hein, le concret, le spirituel, tout ça, voilà, et donc là, pour le coup, il s'agissait de moi, et je me suis fait passer en priorité, dans le sens, voilà, je ne vais pas penser à ce que vous pourriez euh, ressentir, à, à, voilà, vous allez comprendre, forcément, la raison est une bonne raison, hein, c'est pas pour aller vadrouiller à droite, à gauche, et dire, oh, je ferai quand j'aurai un peu de temps, quand j'aurai envie, non, non, Là c'est vraiment pour être en forme euh, et ne pas craquer dans trois mois en ayant un truc qui, euh, ah bah ben voilà, madame, il fallait vous en occuper avant. Bon, amis poissons, cette intro est terminée. Vous avez dans votre signe, pour parler, là on va rentrer dans le vif du sujet, deux planètes rétrogrades dans votre signe. Là vous sortez en dernier, c'est fortuit, hein, vous le savez. Euh, je brasse tous les signes pour que tout le monde soit... Éga on va dire euh, oui, égaux hein, face à cette roue zodiacale, parce que sinon vous tombez toujours en dernier dans les guidances euh, mensuelles. Donc non, là, on a quand même chez vous deux planètes rétrogrades, et pas des moindres, Saturne et Neptune. Donc ce que vous vivez est normal, déjà j'ai envie de vous le dire, hein, même si vous dites vous de mais c'est quoi ce délire Non, c'est normal, vous avez deux planètes rétrogrades dans votre zodiaque, ok, il est donc évident. Que les vibrations ne sont pas les mêmes, que les temps d'intégration ne sont pas les mêmes, que les vibrations ne sont pas les mêmes. Et on va voir tout de suite ce que nous disent les cartes par rapport à ça. On a Mercure rétrograde le 5 août dans le signe du lion. Ah, famille d'âme. Exprimez votre vérité. Là, on a du 2 de coupe, on a des amoureux, on a le jugement, euh, on a effectivement quelque chose qui sert à un but supérieur. Donc là. Ça peut être des rencontres qui vont vous aider justement à transcender cette étape, euh, cette période. Ça peut être aussi euh, bah, ce que je vis est pour que je sois entourée des bonnes personnes, enfin des personnes qui maintenant correspondent au travail énergétique que j'ai fait. Alors, si vous m'entendez, euh, la voix qui a bougé, c'est normal. Sachez qu'il se passe deux choses derrière moi. J'ai beaucoup euh, été euh, visitée. Comment je pourrais le dire Par euh, voilà des messages, des voilà j'ai des prénoms qui me viennent, j'ai des euh, euh, des choses qui s'allument toutes seules dans mon appartement. Euh, donc voilà, je ne serais pas étonnée qu'il nous arrive un truc en pleine vidéo. Donc j'ai quand même euh, demander à ce que ce soit libéré, donc euh, la fenêtre étant entr'ouverte ouverte pour laisser passer euh, et libérer donc les énergies. J'habite dans un vieux grenier qui a été refait à neuf, mais je pense qu'il y a eu des petites visites, euh, des visiteurs. Oh tiens, elle peut me faire passer de l'autre côté. Donc voilà, je m'occupe de ça en ce moment, donc il y a de l'encens de qui brûle derrière moi, il y a aussi une bougie pour euh, sceller en fait euh, la protection, la beauté, l'amour, etc., etc. Donc bougie blanche. Voilà, euh, je vous explique hein, sans filtre, sans phare, ce qui se passe derrière moi. On y va. Donc, je vérifie que ça ne me crame pas en fait, <laughs> tout simplement. Jupiter, l'abondance. Vierge, j'analyse. Alors... Deux messages. On a signe mutable et Jupiter dans un autre signe mutable cousin, le signe des Gémeaux. Là, en Dodec, on a votre signe opposé zodiacal, un autre signe mutable, logique, hein, le signe de la Vierge. Très bien. Pour l'instant, je n'interprète pas. On va voir ce que les cartes nous disent au niveau de chaque domaine qui nous intéresse, les principaux. Le professionnel, d'abord. pour les amis poissons. Oh direct. Alors je l'ai dit, les amoureux. Ok, <laughs> très bien. Alors l'impératrice ici derrière, on a l'ermite très beau. Hein Alors on parle d'un choix qui se porte sur le long terme, un choix du cœur. C'est l'ikigai, c'est la vocation, la mission de vie, ce pourquoi vous êtes né. C'est ce pourquoi vous êtes né. C'est pourquoi vous êtes né. C'est pourquoi vous êtes fait. C'est pourquoi vous êtes doué, c'est pourquoi vous êtes talentueuse, euh, talentueux, et qui peut durer sur le long terme. L'ermite, c'est vraiment la sagesse, c'est di le discernement. C'est aussi, j'avance prudemment, mais sûrement, les amoureux, c'est, j'ai fait ce choix en assumant pleinement, parce que dans ce rôle, je m'y vois. Alors euh, comme euh, mes deux pieds dans mes chaussures. Hein, c'est-à-dire bah, je peux avancer très loin. Je me sens bien, je me sens légitime, je me sens waouh. Voilà. Les amoureux. Alors je, je on va voir. Je sens bien l'énergie du chariot. Voilà, je vous le dis. Euh, ça pourrait être aussi euh, l'énergie d'avancer. En fait, je voilà, bah, je sens cette carte. Trop bien. Trop marrant. Eh ben voilà, celle aussi, celle-ci ici. Donc ça pourrait être aussi des partenaires. Euh, non, pas particulier, pas particu pas partenaire particulier, s'il vous plaît, pas cette chanson, pas encore. Merci. Non, je sentais quelque chose de vraiment significatif. Euh, ça peut être un partenariat financier, un contrat. Voilà, quelque chose qui est marquant. Ça peut être un nouveau boulot. Hein, ça peut être justement un choix de vie. Du style, bon, bah, ça y est, c'est le bon moment, je me mets à mon compte. Parce que ça fait deux ans que j'économise, parce que j'ai fait mon business plan, parce que j'ai étudié les marchés, parce que tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Alors. Oh. Alors, déjà, je vous montre le dos de deck. Ok. Je, je n'ai pas la carte, elle est là. On a le soleil. Pitié, bonne carte. Reine d'épée. C'est bien, <laughs> c'est du discernement aussi, mais un petit peu rigoureux. On va voir, euh, je l'aspecte, pour l'instant elle n'est pas aspectée. Euh, ça peut être une gémeaux, une énergie très gémeaux, ça peut être très euh, balance aussi, c'est-à-dire je tranche, j'estime, j'évalue, j'observe, je rends mon verdict. Donc ça peut être très froid aussi, analytique hein, de la Vierge. Ok euh, ouais, y a ce côté euh, pour y voir clair ou pour, faire, pour avoir la clarté, oui, oui, derrière on a la force, il y a un but, et oui, c'est pour régler aussi un conflit peut-être avec quelqu'un ou un conflit mental du style qu'est-ce que je dois faire, machin, pourquoi c'était mieux avant, qu'est-ce que j'ai qu que loupé, qu'est-ce que j'ai machin. Donc la reine d'épée est à la fois une aide, mais elle peut être un obstacle, attention, c'est pour ça que pour l'instant je n'interprète l'interprète pas définitivement. Dans mon ressenti, attendez. Dans mon ressenti, elle est quand même très positive, dans le sens où c'est ce dont vous avez besoin pour aider votre vie sentimentale. Cher pendule, donne-moi le oui. Très bien, donne-moi le non. Comme ça, vous voyez en live hein, comment mon pendule est, euh, comment dire, euh, réglé. Alors, est-ce que la vibration de. Attendez, je me. Mais euh, ce n'était pas prévu. Est-ce que la vibration de cette reine d'épée est positive oui. Est-ce que c'est une aide Ok. Est-ce que c'est un obstacle Ben non, eh, c'est logique. Ben oui, il est logique. Ok. Cher pendule, merci de ta contribution pour cette euh, amplification d'informations, on va dire comme ça. Allez, développement perso. Roi de bâton renversé. Alors là, c'est un truc qui ne se concrétise pas encore, qui, qui n'aboutit pas. C'est un peu, c'est quand la fin c'est quand la fin du, voilà, on connaît la fin du film, mais on est encore au milieu et on se dit, euh, euh, j'ai envie de, voilà, j'ai envie du générique là, j'ai envie de, ils vivent heureux, ils, vivent, et ils ont euh, plusieurs, enfin voilà, pas des enfants, pas bah, si quoi que. <laughs> Celle de de 10 de denier, ça peut être la gestation, la conception, ça peut être ce qui manque, un manque de vision. Le roi des, le roi de, pardon, bâton renversé. Peut symboliser euh, quelqu'un qui ne prend pas d'initiative une action qui ne se fait pas ça peut être un aboutissement qui n'aboutit pas encore mais ça peut être aussi parce qu'il y a un manque de vision donc un petit cafouillage c'est plutôt ça que je ressens parce qu'avec le 7 de denis on nous parle de patience de conception hein, de bilan aussi hein, de réflexion enfin non c'est pas une réflexion c'est plutôt un regard sur soi Qu'est-ce que j'ai dans les mains Qu'est-ce que j'ai comme talent Qu'est-ce que j'ai comme don Qu'est-ce que j'ai donc ça peut autant être dans la vie sentimentale ici que professionnelle pardon et j'ai plus l'impression euh, que c'est comme si on vous disait attends attends soit pragmatique soit pratico pratique par exemple moi je vous le fais faire en guidance privée avec moi en ligne parce que justement j'ai établi ces exercices il y en a certains que j'ai inventés et donc c'est un peu ok bilan euh, le set de denier c'est un peu comme un bilan financier voyez euh, bilan financier ou euh, euh, bilan non il n'y a pas de s pourquoi ouais ça paie dans plusieurs domaines et par exemple voilà euh, depuis euh, 2023, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, euh, ceci, etc. Et en fait, c'est une énumération comme ça que je ressens qui va vous permettre de vous dire, bah ouais, mais en fait, je suis plus proche que je, je le crois, parce qu'en fait, ce roi de bâton renversé, j'ai vraiment l'impression aussi que dans votre façon de vous parler, parce que là, on a quand même deux cartes successives qui sont assez dures, euh, dans le sens où il y a quand même cette sévérité du au perfectionnisme vous voyez il y a du mal à sortir de ma bouche parce qu'il faut vraiment le quitter hein ce voilà ce, ce roi de bâton renversé vraiment j'ai plus l'impression c'est au niveau du développement personnel j'ai du mal à créer parce que j'ai du mal à me voir dans cette posture là hein si j'ai fini c'est quoi la suite en gros hein donc Ça peut être aussi euh, je dirais là euh, un râle enfin ouais je vais le dire comme ça un hein, pardon un râle le cul parce que vous avez en face de vous une personne assez froide, assez dure euh, qui ne prend pas d'initiative, qui est un peu plus dans le parler, ouais, fais-ci, fais ça mais qui n'en fin, mais qui n'est pas dans les actes concrets. Ça peut être ça le râle-bol que je ressens aussi. Euh, ça peut être un tyran, un misogyne, un roi de bâton renversé. Donc, ça peut être ça qui va déclencher une décision radicale. Hein. Les amoureux, c'est quand même un choix de vie très important, hein, qui est élu de Dieu. Donc, c'est vraiment euh, ce côté. Euh... Non, mais c'est. Euh... Il ouais, y a un côté. Euh... Comment dire Il y, y a un côté guidé, il y a un côté puissant dans ces amoureux. Et ça peut être, comme je disais, voilà, un manque de vision, un manque d'ambition, une, euh, une dispersion, c'est-à-dire, ouais, mais ça se trouve, j'en suis pas capable, mais je me sens capable, mais ça se trouve, j'en suis pas capable. Donc en fait, en attendant, vous ne faites rien. Vous voyez Et donc, c'est en ça que ça peut être un choix aussi. Euh, personnage assez rude euh, dans sa façon de parler, une sévérité, ça peut être vos parents aussi. Là, vous travaillez peut-être au niveau sentimental le modèle parental que vous avez reçu. Donc, cette tendance à être perfectionniste, perfectionnisme, perfectionniste, euh, date de là. <laughs> Excusez-moi, je, je craque. Ce je... n'est pas que je craque. C'est que j'ai envie que ce soit la fête, en fait. Voilà, bon, bref. Et on a un, un cavalier de denier qui nous dit Ralenti, désir ou amour, l'ange présente, tu le sois un jour, de Axel Red, de sa voix si douce. Reine de coupe, ça, c'est vous. Derrière, on a un empereur, donc on a quand même quelqu'un, une posture. J'ai l'impression qu'ici, vous, vous avez fait une rencontre, pas forcément amoureuse, mais une rencontre qui vous montre ce que vous devez lâcher en termes de perfectionnisme, de sévérité vis-à-vis -vis de vous-même, de dureté. Oui, mais si ça se passe comme ça, c'est pas réglo, c'est pas normal, pourquoi ça se passe pas Voilà, ça c'est une dureté qui ne permet pas la fluidité, c'est-à-dire vous n'incarnez pas pendant ce temps-là la personne avec qui on a envie de rester. Alors, je ne dis pas ça méchamment, hein. on a envie de rester avec vous, mais vous savez, quand quelqu'un n'arrête pas de se gratter, vous hein, voyez, elle est agitée, elle n'arrête pas de se gratter. Elle est à côté de vous, elle est comme ça. Franchement, même si elle est euh, super belle, super sexy, super adorable, super gentille, super bienveillante, super euh, douce et tout. Il n'y a un, pas un moment où vous, vous dites « Non, mais je vais finir par me gratter, moi aussi je, !» je... Non, euh, où vous, vous commencez à être pas bien sur votre chaise, à vous... Re... vous voyez J'ai vraiment ça, comme si c'était contagieux, alors que la personne n'est pas négative. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est soit vous, soit l'autre. Mais de toute façon, l'un, c'est l'autre. L'autre, c'est l'un. Si vous me suivez sur Patreon, vous savez de quoi je parle. Big up à vous. Allez, euh, non, je vais prendre celui-ci. Attendez, je... Il faut faire des choses... Dans l'ordre. Ah ouais, et ouais, il y a eu un enseignement. Alors pour moi, regardez la médusa là. Uh elle a rempli son taf, hein. enfin, elle a fait son taf, pardon, elle a fait son job. Je dirais qu'on a une personne qui s'est montrée assez. Euh exigeante, alors ça peut être vous, mais pour lâcher un truc, pour nettoyer quelque chose de bien plus profond, de bien plus enraciné, une peur d'agir, une peur de bouger, une peur de prendre des risques, une peur de, de se planter. Hein, vous savez, des fois quand on a rencontré une personne très significative pour notre vie, la peur de se planter, la peur de mal faire, est plus paralysante que de faire n'importe quoi, en fait. C'est beaucoup plus dangereux que de faire n'importe quoi. Vous savez, moi, un jour... Euh, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis dit Ah, oups, <laughs> oups, 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 euh, tu fais moins la maline, toi qui disais oui, machin et tout, puis là, paf, ça me tombe dessus. Bon. Et je me suis dit Tu fais quoi Pff, Rien à foutre. Fais. Dis, de la, dis, dis des conneries, si je dois dire des conneries, tu trouveras mignonne. Au contraire, c'est beaucoup plus touchant que une perfectionniste en face qui est là, oui, qui parle comme une RH, cordialement, bien à vous. Et en fait, j'ai été tellement moi que la personne m'a dit « tu as des défauts qui te rendent encore plus attachante que si tu étais parfaite, voilà, était parfaitement imparfaite ». Eh ben, je suis encore avec un hein, et il me soutient <laughs> dans tous les sens du terme, et moi aussi, inversement. Et eh ben là, j'ai l'impression que, à force d'être dur envers vous-même, il y a ce côté leçon que vous avez durement apprise et qui finalement vous dit Mais pour, à quoi bon être aussi dur envers moi-même, être aussi impeccable pour de toute façon pas me plaire là où je travaille hein, Ça peut être ça. Ou alors. Euh... <laughs> On vous a fait être avec, auprès de quelqu'un qui vous a parlé d'une certaine manière pour que vous réalisiez que vous perdez votre temps à persister dans un truc qui ne vous plaît pas. Donc, ici, la leçon ding, est apprise. Alors, on a donc euh, ce bon vieux Saturne hein, euh, qui nous dit quand Saturne part, c'est que tu n'es plus à ta place et que euh, on te donne une autre chance de conscientiser différemment. Pour que tu sois au bon endroit, tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Mais là, on va te mettre au meilleur endroit, au meilleur moment, puisque tu changes de vibration. Jupiter, enfin voilà. Euh, alors, un message spécial. C'est moi bien. Hu, hu, oyez, oye, amigo poisson de l'année 86. J'ai pensé à cette personne. Hein. Vous avez votre Jupiter en poisson. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec l'abondance, la fluidité, que ça abonde dans votre sens. Donc euh, vous allez vous dire, bah là j'attire ma famille d'âme. Et aussi, euh, comment dire, euh, les choses qu'il faut pour que quelque chose que j'ai souhaité se produise, pour que ce, ce, ce choix de vie puisse s'enclencher dans la matière. Parce que là on a quand même Capricorne qui va dire, hé hey, Maintenant, on le met en place, hein, c'est bon. On a structuré, euh, d'ailleurs, c'est dit ici, vous avez passé du temps à observer, à structurer dans votre tête, à faire cet état des lieux. Hein, ce que je vous ai... Oula, pardon. Enfin, je dis pardon à mes bagues. Je ne dis pas pardon à mon matériel de ça, je peux le racheter. Par contre, mes bagues sont faites sur mesure et tous, des modèles uniques. Bref, je leur dis pardon. Euh, ce qu'elle travaille aussi avec nous, euh... pas, pas celle-là, là, mais la, la Bradorite, oui. Voilà, je vous montre. Ce qu'on voit, non, c'est dommage, on ne voit pas trop ces reflets chamarrés et verdoyants. Je dis n'importe quoi. Bilan, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, je suis capable de ceci. Euh, oui, ouais, oh, j'ai un, oh, un coup de chaud dans le dos. C'est comme si on vous disait, allez, roule, vas-y. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes poussé en avant et que vous êtes là. et je pas prête. Si, 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 ça fait trop longtemps que vous attendez. Ça fait trop longtemps que vous observez. Ça fait trop longtemps. C'est comme si. Euh, euh, vous... Ah, j'ai cette image. Vous avez votre euh, écu, comme ça, on va dire ça comme ça. Vous avez votre écu, vous êtes devant la machine, vous regardez, hein, la canette, elle est là. Mais tant que vous ne mettez pas la pièce dans le truc, la canette ne sortira pas. Hein, comme dirait Coluche, tant que je gagne, tant que je, bah, tant que je gagne, je joue. Hein, la, la blague sur la, le Belge, voilà, à la station Essence qui prend une canette. Ah oh, bah dis, tant que je gagne, je joue. Hein, bah, là, on vous dit, mais tu as gagné, donc joue, vas-y, profite. C est, c est, ça reviendrait à, à gagner au loto, à avoir le chèque, à aller retirer le truc et tout. Je ne sais pas comment ça marche, hein, parce que je n'y joue pas. Mais d'avoir de, de, le chèque et de ne pas l'encaisser. Et de regarder en vitrine tout ce que vous pourriez vous acheter, parce que vous le savez que vous l'avez, mais vous n'en profitez pas. Et là, j'ai comme, comme si on vous poussait maintenant à pas agir, mais à jouir pleinement de ce savoir, euh, de cette connaissance. Euh, C'est un rugbyman irlandais, pour l'information, pour la petite anecdote. Euh, c'est Audrey Scholl, Brian Driss, non Audrey Scholl. oui Brian Audrey Scholl, je crois. Bref, euh, voilà, c'est ça date. Hein. Mais euh, on lui a demandé la différence entre euh, euh, savoir et sagesse et il a dit je sais que la tomate est un fruit. Par contre, la sagesse c'est de ne pas l'utiliser dans une salade de fruits. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et là, j'ai l'impression que vous dites bah, Je sais que je sais, mais maintenant, si j'en profite pas, à quoi bon savoir Ça sert à quoi Ça sert à rien. Hein, je suis un érudit, je suis une érudite. Ouais, super. Mais l'idée, c'est de le saisir, d'en profiter. De, 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 voilà, bon, bref, allez, je me calme. J'ai vraiment envie de. de voilà. Vous ayez les clés et qu'à la fin de cette vidéo vous ayez le smile, c'est surtout ça, moi, mon objectif. Donc, vous me direz en commentaire parce que moi je sais pas, je m'adresse à un mur, je vous vois pas, si vous commentez pas, je sais pas. Donc merci de commenter, merci les amis. Alors bélier, ouais je la sens cette rage de vivre, cette rage de profiter, de jouir. Ça y est c'est mon tour, j'arrête, c'est plus le mode gladiator là, c'est plutôt le mode oh charal. Je suis très rugby, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que peut-être qu'il y a eu des scandales euh, des dégueulasses, hein, mais bon. Non, c'était pas ça le truc. J'ai pensé à Sébastien Chabal. C'est quoi son signe astro à lui Vous me direz en commentaire. Non, j'ai envie de regarder. Euh, Sébastien Chabal. Chabal. 8 décembre, donc rien à voir. Et son épouse s'appelle Annick. Bonjour à elle si elle nous écoute. Oh, imaginez, ce serait énorme qu'elle soit là. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour Annie, bonjour madame. Euh, oui, il y a une énergie très volontaire, il y a une énergie très euh, fuego en fait. Hein. Mais signe de feu d'ailleurs. Euh, 8 décembre, ouais, je vais encore. Ouais, il est de la même année que mon frère. Voilà. 77. Gémeaux Capricorne. Oui, il y a eu un petit cassage de... Un petit, euh, vous savez, quand on loupe la marche et on... Whoop Hop, j'ai failli me tordre la cheville, mais là, euh, je vais du coup hum, envisager les choses différemment. Alors, j'ai tellement les paumes qui chauffent, les pieds aussi. Alors, pas parce qu'il fait chaud, ça c'est pas un problème, c'est aéré depuis tout à l'heure chez moi, il fait frais à l'intérieur, même si je suis sous les toits, hein. euh, le soleil tape pas trop trop chez moi, j'ai de la chance. Mais il y a comme une ébullition, sauf qu'il y a une paralysie, j'ai peur de mal faire. Euh, C'est ce roi de bâton dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc c on revient à ce, cette espèce de vision. Euh... La peur de louper le coche. Ah oui, en anglais, c'est un syndrome euh, moderne, « The fear of missing out », la peur de louper le coche, vraiment, ça se traduit comme ça, dans le sens, « Ouais, mais si j'ai loupé l'opportunité. » Jupiter, il va dire, « Attends, attends, tu sais quoi Jamais de la vie, ça se produira avec moi, je suis tellement puissant. Tu rates le rond-point, tu ne t'arrêtes pas en plein milieu en disant, « Oh mon Dieu, j'ai raté la sortie euh, numéro 3, fallait en fait, euh, voilà, je, je me suis euh, arrêté à la 2. » Non, bah, vous refaites un tour vous ressortez, il recalculera l'itinéraire, vous voyez comment il fonctionne. Donc il va dire Mais euh, chérie, je, je vais te donner autant de chance, tu ne t'es pas cassé la figure, tu as appris quelque chose de toi. Peut-être que tu es trop perfectionniste, trop dur. Moi, par exemple, avant, et je l'ai vu, d'ailleurs, je fréquentais un poisson à l'époque, j'ai raté le rond-point. Il m'a engueulé comme une. J'étais à... Hé hey on va se calmer déjà. Déjà d'une, tu ne me parles pas comme ça, parce que déjà c'est ma voiture, donc je fais ce que je veux dedans. Si j'ai envie de me louper de rond-point, je loupe le rond-point. Et si j'ai envie de refaire un tour, ben je vais faire refaire un tour. C'est pas grave. Et en fait, je lui ai dit, qu'est-ce qui te prend Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que ça te déclenche chez toi pour que ça te déclenche des choses Moi, j'ai décidé de ne pas le prendre personnellement. Ça a été un red flag, cela dit, pour la suite. Néanmoins, je lui ai dit, pourquoi ça te déclenche des trucs Vraiment, c'est une vraie question. Pourquoi ça déclenche les choses Et au final, je lui ai dit parce que regarde, l'itinéraire, il ne va jamais changer. La destination n'a pas varié. On a toujours cette voiture, on a de l'essence, tout roule. Donc tout roule. On a perdu quoi 30 secondes dans notre vie Sérieusement Entre-temps, euh, je viens d'apprendre que tu es capable de câbler pour ça. Non, mais c'est pas possible. Et était oui, non, c'est vrai, excuse-moi. Elle dit, non, mais Adrette Je lui ai dit, t'as... As peur de pas arriver, tu peur que je fasse n'importe quoi, c'est quoi ta peur? Et derrière, il y a toujours une peur qui s'exprime. Donc, big up à toi, merci euh, de nous avoir servi d'exemple pour cette guidance. C'est tout ce à quoi il sert maintenant, de référentiel, on va dire. de Ok, Red Flag, on l'écoute. Celui-là, un an et demi plus tard, je l'ai payé. Euh, néanmoins, enseignement très important dans le sens où on se casse jamais la figure. C'est plutôt comment j'ai marché. Vous savez, c'est un peu. Euh, je, je, je vous l'avais dit d'ailleurs, je, je crois, que c'était à vous, mais je vous l'ai dit, genre deux ans. Donc si vous venez d'arriver, bon bah, vous n'allez pas vous coltiner toutes les vidéos que j'ai faites depuis. Je vous épargne. Mais c'est plutôt, c'est quand on, quand on fait une erreur tellement euh, dont les conséquences ne sont pas lourdes, mais elles sont tellement chiantes qu'on se dit plus jamais je la ferai celle-là parce qu'elle m'a servi de leçon. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, ok, bon bah moi, deux fois je me coupe. Avec un couteau à huître en ouvrant des huîtres. Je mon palais d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si la cicatrice, on la voit, elle est là. Voilà, elle est là, elle est ici. OK. C'est ce que j'ai fait. Bah, les fois suivantes, je me suis dit huître, coupé, couteau, dangereux, danger, risque. Donc qu'est-ce que je fais Je m'emmaillote la main hein, avec qui tient l'huître. Et là, je peux me craquer autant de fois. Le résultat n'est pas le même. Et pourtant, je ne me suis pas privée d'huîtres, Donc pas d'amour. Bon, l'exemple et la comparaison est à hasard de je sais, mais vous n'allez pas vous priver euh, de quelque chose parce que vous êtes coupé. Moi, si toutes les fois où j'aurais dû me priver de l'aliment avec lequel je me suis coupé avec un couteau, j'ai jamais blâmé le couteau, je me suis jamais blâmé, j'ai jamais blâmé le citron, j'ai jamais blâmé cette pomme, j'ai jamais blâmé cette huître. Ah non, je les ai savourés deux fois plus. Ok, donc je me suis dit. Alors, quand tu as un couteau, ce n'est pas le moment de regarder une vidéo YouTube et de cuisiner en même temps. Hein. Tu vas utiliser ça comme un podcast. Donc maintenant, je mets le truc derrière moi. Parce que quand je découpe et que je suis là en train de regarder Franck Ferrand hein, euh, ou euh, je sais pas quel Yuta, euh, tiens Yéna, pour euh, vous envoyer vers sa chaîne. Donc euh, une amie euh, créatrice de contenu euh, dans la même vibes que moi. Enfin qui fait de la taromancie parce qu'on a chacune notre manière et notre vision des choses, ok, donc c'est pas le moment de regarder les, les mains de Yéna qui brassent les cartes, tu te concentres sur ton poivron que tu es en train de découper, Un couteau, on se concentre focus, c'est tout parce que le reste dans votre euh, j'ai l'impression que dans votre dans votre ébullition intérieure, vous savez qu'il y a une seconde chance, vous savez qu'il y a quelque chose qui se produit, vous savez que même si vous ne le voyez pas, c'est là, vous le savez, vous le sentez. Mais il y a ce côté, j'ai quand même peur de me casser la gueule. Euh... Vous savez, quand on est en couple, des fois, on se dit, waouh, ça y est, je suis en couple. Euh... Et des fois, c'est là qu'on panique. Ce pas le fait d'arriver. À être en couple avec cette personne. Donc, les dates, la phase d'observation, la phase d'échange d'informations. C'est bon, bah maintenant, euh, <laughs> ça y est. <laughs> voilà. OK, et vaut mieux pas, comme on dit, tricher sur le CV. Euh, même en professionnel. Hein. Oula, allez, le roi. Roi Lion. Alors, il y a un rapprochement parce qu'il y a une posture qui est beaucoup plus affirmative, assertive. Euh, comme si vous aviez maintenant intégré le, le tout ce qu'on vous avait fait faire depuis plus de deux ans. Hein. Moi, j'ai vraiment cette période-là, même Covid, hein, 2020. J'avais commencé à parler déjà de Gladiator, du mode Gladiator, et là, j'ai l'impression que vous avez intégré. Voyez, on a Balance Poisson, c'est-à-dire en fait dans mes ressentis, euh, là que vous intégrez, donc fin juillet, début août, parce que mon focus est quand même porté sur le mois d'août, mais j'ai vraiment ce côté. Ok, j'ai eu cette phase de rébellion, hein, euh, parce que j'ai eu une phase de passivité, puis maintenant, enfin euh, depuis une phase de rébellion, c'est plus possible, ça peut plus durer comme ça, ce qui a engendré parfois des conflits, euh, des discussions assez houleuses, euh, où je me suis peut-être pas reconnue en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je suis en mode euh, reine d'épée Néanmoins, ça a été nécessaire pour me... Euh, comment dire pour me situer dans le juste milieu et d'être dans cette posture de roi. Donc maintenant, je prends le temps d'observer. Qu'est-ce que ça me fait ce que je réponds Une intelligence émotionnelle ici, ici aussi d'ailleurs. Est-ce que ça en vaut la peine Oui, je vais jusqu'au bout. Est-ce que ça en vaut la peine Non, donc j'arrête là. Ce n'est pas un échec. C'est tout simplement ce qu'on appellerait l'amour de soi. Voilà. Et là, vous recollez avec potentiellement quelqu'un qui est loin. Uh, alors mon Dieu, ces poissons, ils nous font vibrer là ce mois-ci, hein, je trouve. Alors ok, euh, message aussi spécial. Donc si vous êtes de l'année Jupiter en poisson, alors pas que Jupiter en poisson, vous avez peut-être votre nœud nord en bélier, parce que je sens bien la direction, la voie à suivre qui est comment me situer quand je suis un signe dit empathique, collectif. Signe des poissons, le dernier de la roue zodiacale euh, qui va ressentir les émotions à 1000 degrés. Alors que pour, pour une personne qui elle va la ressentir, imaginons là, vous vous dites Oh mon Dieu, Mango, je ressens tellement de choses de ce que tu vis. Moi, je vais par exemple ressentir 10 alors c'est ma vie. Vous allez le vivre à 1000 degrés en mode Mon Dieu, Mango, je comprends pas comment tu t'es senti, c'est waouh et tout. Et moi, je suis euh, Ouais, ok. Alors oh, je suis la principale concernée, c'est ça l'empathie. Et vous ressentez tout, et là vous avez dû, <laughs> depuis, ouais j'ai 4-6 ans, 4-6 ans, de 6 à 4 ans, depuis ce temps-là, 2018, 2020, 2024, vous avez dû poser des cadres, poser des limites, vous affirmer, être dur envers vous-même, envers les autres, pour vraiment voilà, mettre une frontière, c'est-à-dire, hop, attention tu es en train de déborder, tu me débordes de dessus. Non, ça ne va pas du tout, mais j'apprends à te le dire d'une façon correcte. J'ai vraiment l'impression que vous avez dû être stoppé net, mis sous cloche, vraiment, hein. euh, même dans une relation, pourquoi pas, euh, pour pouvoir vous situer, pour faire que la relation puisse durer. Ce qu'on appelle tout simplement un mal pour un bien en spiritualité. Merci. Bonsoir, des fois on s'en passerait, mais... À la, à la finale, c'est vraiment bien. Alors, corps physique souffrant. Année en cours. Potentiel exacerbé. Je vous l'ai dit à un moment donné euh, dans le tableau précédent. Je ne reviens pas dessus. Euh, c'est de, ouais, de libérer, en fait. Hein. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a Désintérêt oubli. Oui, un blocage karmique. En fait... Une personne vient de le dire mis sous cloche. Voilà la situation que j'ai où quelque chose a été entravé, ralenti. Vous savez, c'est comme euh, j'ai vraiment ce, ce côté euh, vous courez, vous courez, vous courez. Vous arrivez, il y a un voile invisible et là vous êtes tout. Ouais, je fais bien le bruit parce que j'ai beaucoup regardé de voilà. Et en fait là vous êtes où Qu'est-ce qui se passe Vous courez comme ça. Voilà et vous êtes en mode, j'ai le temps de regarder, c'est un peu, vous savez, ce, ce, cette scène très mythique, où Neo prend conscience de son potentiel dans Matrix numéro 1, et là, il commence à se dire, ah, en fait, euh, voilà il a le temps de regarder ses mains, de se faire couler un café, voilà ou Flash Gordon, je sais plus lequel, Speed, je sais plus, dans les X-Men, voilà, il a le temps de tout, euh, de se faire un café, de, de, de se repeigner, de se coiffer, pendant qu'en fait, la balle, balle à la vitesse de la lumière ou du son, je ne sais plus, voilà, est en train d'arriver. Lui, il est là. Euh, ah ouais, en fait, j'ai tout ce potentiel-là. D'accord Il a tellement de temps d'esquiver qu'il a, il a le temps de la regarder, et de dire, ah oui, je vois les petites gravures et tout. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation qu'on vous a vraiment ralenti pour vous preniez conscience de votre potentiel au niveau du corps physique, au niveau du sacrum, au niveau du chakra racine. Il y a le chakra solaire et en fait c'est cette façon de se parler chakra gorge qui va tout bloquer vous savez qui bloque ensuite euh, l'intention la vision la vision de soi la conscience de ce qui vous entoure et j'ai vraiment eu j'ai vraiment l'impression qu'il a fallu dénouer avec la reine d'épée, il y a aussi du dialogue du discours c'est-à-dire écoute je comprends que tu ne sois pas d'accord néanmoins il est vraiment important pour moi voyez, c'est cette assertivité-là, c'est-à-dire cette fermeté. Ok, je ne vais pas me les... Oh mon Dieu, oh elle a souffert parce que euh, je, je me suis fait passer en premier. Non, non. Écoute, tu sais quoi, pour le bien de notre relation, il est important, il est nécessaire, et j'ai ressenti ça vraiment primordial, de me faire couler un bain au lieu de t'appeler et d'écouter tes petits... Voilà. voyez, et vous faites comprendre à la personne. Euh, C'est-à-dire, je t'envoie quand même beaucoup d'amour. Néanmoins, je m'envoie aussi beaucoup d'amour. J'ai ça, j'ai ça qui ressort. vous Voyez, chakra gorge qui se bloque. Il a fallu apprendre à le dire. En fait, c'est pas le dire le problème. C'est assumer derrière que vous n'en avez rien à faire de la réaction de l'autre, qu'elle le prenne mal ou pas, c'est elle qui travaille. Vous, vous avez dit votre vérité, vous avez fait votre truc. Pourquoi je vous dis ça Parce que tout à l'heure, en deck on avait exprimé votre vérité. Et oui, je pense aussi à des choses. <laughs> voilà. d'âme, blessure d'abandon. Quand vous vous abandonnez, vous abandonnez ce que vous faites parce que vous avez l'appel de votre cousine qui vous dit « Oh mon Dieu, Jérémy m'a encore envoyé balader et vous êtes là. Attends. Euh... » Je finis ce que j'ai à faire. Bon, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Vous voyez, ça, c'est de l'abandon. Et au bout d'un moment, votre corps, il est là. Waouh T'es en train de te négliger, t'oublier, t'abandonner. Qu'est-ce que tu fais hein euh, Donc, il va vous le signaler. D'où le ras-le-bol que j'ai ressenti. C'est-à-dire, c'est plus possible. C'est un burn-out ni spirituel, ni émotionnel, ni intellectuel, ni quoi que ce soit. C'est quelque chose de global. C'est-à-dire, bon, j'en ai marre. Euh, voilà. Alors, l'ego hmm, qui entre en jeu. Alors, l'ego et l'ego. L'ego, il n'y a pas de jeu de mots, c'est l'ego. Il y a deux égos il y a un ego, il y a même trois égos Il y a un ego enfantin, un ego adulte, un ego parental. Il y a aussi l'ego je suis, il y a l'ego... L'orgueil, d'accord L'orgueil, la fierté mal placée, euh, le narcissisme, les failles narcissiques, euh, la perversion, euh, les euh, oui, moi, je, moi, je, j'ai raison et tout. Non. Là, on parle du je suis. C'est la construction identitaire qui est nécessaire afin que vous puissiez ne pas être dans les blessures, notamment de trahison et d'humiliation. Hein, si vous avez, par exemple, ah, c'est l'outil complétude, je l'ai sorti il y, a, il y a un moment déjà, j'ai expliqué, voilà, dans la pyramide, il y a la plus costaude, c'est la blessure d'humiliation, là on n'a plus aucun filtre, on n'a plus aucune limite, c'est-à-dire qu'on va accepter des choses inacceptables, on va se faire marcher dessus, comme si on était un paillasson, vas-y Jeannine, euh, euh, t'as du temps pour moi, ah bon, t'as pas de temps pour moi, bah d'accord, t'es comme ça, nanani, et vous Oh mince, mais qu'est-ce que j'ai pas compris Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que mon Dieu Vas-y, je, je vais donc te plaire au détriment de mon bien-être pour que tu te sentes bien, pour que je me sente bien parce que je n'ai plus de limites, je n'ai plus de cadre, je n'ai plus de frontières. Voilà, donc je m'abandonne. Donc mon corps physique souffre. Donc là, cette année, j'apprends à exacerber mon potentiel et à oublier ce que ça va faire aux autres. C'est ça la liberté je pense pas je pense qu'il y a pour certaines personnes un euh, comment dire une relation qui ne se fait pas parce que vous devez repenser à vous en priorité ça veut pas dire où, se faire passer en premier ça veut dire j'écoute mes besoins je pourvois mes propres besoins et si mes besoins euh, dérangent les autres bah, ce n'est pas mon problème parce qu'à la finale, imaginons quelqu'un dit Ah, tu te fais des pâtes Moi, j'aime pas les pâtes. C'est toi qui vas les bouffer enfin, C'est évident de dire ça. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. D'accord Mais euh, le, le plat spirituel. Moi, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il me dit Je te dis ça pour ton bien. Hein. Je pas bah, Enterre-toi à ma place alors. Il me dit, Pardon Je dis Enterre-toi à ma place donc. Quand je vais mourir, c'est toi qui vas prendre ma place. C'est logique. Puisque tu me dis ce que je dois faire, bah, tu vas aller jusqu'au bout de ta pensée et en actant aussi que tu vas mourir à ma place. J'ai regardé ensuite ses yeux qui cherchaient, euh, qui cherchaient un truc. Il fait beau aujourd'hui <laughs> Voilà. C'est ça, recadrer. C'est aussi dire à la personne Non, là, tu sais quoi Tu outrepasses le rôle que je t'attribue dans ma vie. D'accord Je pense que c'est ça que vous avez dû apprendre, bon gré mal gré. Euh, besoin de reconnexion avec, euh, effectivement, la personne dont vous avez été, je ne dirais pas séparée, mais il y a eu un éloignement. Alors malheureusement, je l'ai rangée. Euh, je ne sais pas où je l'ai mise. C'était la carte de la distance tout à l'heure. Je vous ai montré. Ah voilà, elle est là. Besoin de reconnexion. Ok euh, je vous dis ça, il est 16h30, aucun rapport. C'est pas l'heure du goûter, mais j'ai le ventre qui dit ah ouais ah ouais, on a envie de manger, on a envie de profiter. Les non-dits, voilà, le chakra gorge de tout à l'heure, il s'explique. Le blocage karmique, il est dans le fait que oser parler, en fait oser dire les choses, c'est pas le problème, c'est les réactions en face auxquelles vous ne devez plus donner d'importance. Une personne qui vous, par exemple, un jour j'ai dit un truc et euh, la personne, vous savez ce qu'elle a fait, elle m'a bloqué. Je me suis dit, elle se bloque. Parce que dans ses réactions, elle a peur de ce qu'elle pourrait faire, de ce que ça génère chez elle. Bref, ce n'est pas mon problème. Elle m'a débloqué deux jours après en disant, écoute, j'ai longtemps réfléchi, j'ai compris ce que tu voulais me dire, etc. Dans la manière dont tu me l'as dit, bon, ça m'a pas fait plaisir parce que c'est dur à entendre, euh, ok dans ces cas-là, la prochaine fois, je vais mettre des paillettes, mais l'intention restera la même. Veux-tu, euh, je te prie, euh, s'il te plaît, je te serai gré, donc reconnaissante, gratitude, gré, je te saurai gré de nanani, nanana. Euh, ouais, ça va, deux secondes, euh, l'intention est la même, hein, on ne va pas se mentir. Un jour mon neveu, <laughs> pour vous dire la puissance de l'intention. Il m'a dit, il m'a regardé droit dans les yeux, il était tout petit. Hein, il m'a dit, oh ta pomme, pour dire ta gueule, voilà. Euh, J'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. Et dit ah attention, tu parles différemment. Et ta oui, mais la pomme c'est gentil et comme je t'aime bien et eh ben je suis gentil. J'étais d'accord, je te sègre, je te sègreais de ta sollicitude. Merci beaucoup, mais non, il y a un moment donné où on capte l'intention. Donc, que vous le disiez maladroitement ou pas, la personne, de toute façon, elle ressentira à l'intérieur ce que vous pensez. Et quand vous êtes en adéquation, là, elle se dit Ah, oh, elle me fait assez confiance. Enfin, il y a quelque chose euh, de plus franc. Et la personne risque de mieux le prendre en plus. Voyez Donc, vous voyez Donc, exprimez-vous, osez. C'est l'audace de, de. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans l'évolution On a. Euh, euh, bon, ok, le jardin, les balades, les sorties, la, fi ouh, la fidélité, c'est quoi qui est... Ah, bah vous, ok, fidèle à soi-même, très bien, on aime bien. Et là, on a euh, Marco, je ne sais, je, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Benicio, ah ouais, Benicio, <laughs> Benicio del Toro, non, je rigole. Euh, non, non, on a quelqu'un, euh, voilà, qui est très, très... Très, qui vous regarde, hein, euh, on va dire que ses intentions on les connaît, hein, il n'est pas là pour jouer au Scrabble. Allez, il a envie de se reconnecter dans la boîte que je préfère de toutes les manières, c'est la boîte que je préfère. Oui, il, il a envie de coton, hein, il a envie de, de, de froufrou, de drap. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, vous êtes assez grand, -grand. Ok, Donc là, vous allez travailler votre autonomie, vous êtes en train de récolter un travail sur vous, sur l'autonomisation. Maintenant, ça va être aussi d'être rusé dans le sens de capitaliser votre énergie dans les bonnes choses. C'est-à-dire de d'observer. Le renard, il est très observateur. On le voit comme un filou parce que c'est un, un. Comment dire euh, un, un prédateur de poules au Moyen-Âge. Il, il décimait des. des, des voilà, des élevages entiers. Mais en réalité, le renard, c'est aussi quelqu'un qui est très famille, qui est très malin. Quand il rigole, ça fait rire. Vous avez déjà vu un renard rigoler Une dame qui chatouille un renard, écoutez cette vidéo, vous allez voir, dame qui chatouille un renard, vous allez forcément tomber dessus. Et en fait, c'est joueur, ça aime jouer, ça aime observer, dire bon, je vais sortir ma, mes, mes billes, euh, euh, voilà, je vais, je vais sortir du lot, je vais... Je vais m'en sortir tout court aussi, il y a une sorte de survie dans la, la, la vie du renard. Euh, mon chat s'est fait morte par un renard. Il a montré à mes parents le terrier et mes parents ont compris que mon chat, il est roux. Un renard, c'est quand même assez roux. Le chat a dû croire que... Il est... Oh, des cousins <laughs> Je ne connais pas cette espèce. Pourquoi les patounes sont plus grosses que les miennes Tiens, je vais aller voir de près. Sauf que maman renard, il y avait des renardeaux. Elle n'a pas trop aimé que le chat s'approche de ses bébés. Elle a protégé ses bébés. Résultat, mon chat, hop, cul de jade. Enfin bon, mais euh, voilà, donc il a montré à mes parents, je trouve ça fascinant le langage des animaux. Euh, il a miaulé, l'air de dire Viens, viens, je te montre. Et j'ai dit à ma mère Demande-lui où ça s'est produit, il te montrera. Et il l'a fait. Il a montré à mes parents, il a été leur montré. Je referme la parenthèse, chers amis poissons. Mais il y a ce côté, ouais, en fait. Je reconnais que le cœur, l'intelligence du cœur. Pas mon ego. Mon ego, il, est, il transporte des bagages transgénérationnels, il transporte des croyances, il transporte des, des, des vieux lieux communs. Ah, de nos jours, c'est dur de trouver l'amour. D'où Ah oui Un jour, ma tante, elle m'a dit Ah, tes cartes anciennes comme moi et tes gémeaux comme moi. Eh, on n'a pas de bol en amour pour pouvoir servir les autres, machin. Je lui ai dit Mais parle pour toi, ma vieille. T'es gentille, toi. Ah non, moi, je vais avoir le gros lot. Bon, il est là, il arrive dans 15 jours. Euh, voilà, donc c'est, comment dire, le, le côté. Euh, euh, oui, voilà, c'est ce flash orgueilleux dont vous avez besoin, c'est sain, un flash orgueilleux. Un peu que je veux, voilà le camion qui dit ouais, ouais, on y, on veut aussi, voilà, qui, <laughs> qui corrobore ce que je suis en train de dire. Un peu que je veux, mais un peu que je vais y avoir droit, Jupiter! ou pas et que vous ayez votre Jupiter en poisson pense non Jupiter il est là pour tout le monde il est là pour toi il est là pour moi il est là pour vous il est là pour nous il est là pour eux il est là pour y, elle il est là pour il il est là pour vous, pour euh, voilà OK donc l'idée ça va être de un peu que je veux moi il y a un jour une voyante qui dans cet appart, hein, je l'appelle pour savoir si je vais signer le bail de cet appart, sachant que moi, je suis déjà dedans dans ma tête, j'ai déjà installé mes meubles, je suis là, je monte, je descends, je monte, je descends, parce qu'il y a des escaliers, c'est tout nouveau pour moi. Et je l'appelle comme ça, je me dis, bon, j'appelle déjà pour confirmer, pas parce que j'ai un doute. Elle me dit, euh, attends, je vais penduler, alors oui, non, 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 mais tu auras quand même le même propriétaire. Je, je, il va t'en proposer un autre. Je dis non, c'est celui-là qui va me proposer. Et en fait, elle m'aurait dit non, tu ne l'as pas fermement. Elle m'aurait dit un peu que je vais l'avoir. Alors je ne sais pas, hein, j'ai toujours pas signé. Voilà. Au final, je suis dedans. Et donc, euh, quand j'ai envoyé un petit, euh, un petit message pour lui dire, euh, bah, écoutez, je vous donne la suite, je suis dedans, je suis bel et bien dans la part où vous m'aviez prédit que ça ne se produirait pas. Merci de m'avoir confirmé ma réelle intention qui est de... Quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, j'ai la ferme intention de vivre dans cet appart. Donc voilà, elle était ah ben, je suis ravie d'avoir servi à quelque chose. Maintenant sachez que mes prédictions normalement se produisent. Je dis pas bah, pas là. Voilà, ne faut pas avoir l'outrecuidance de, de se croire plus euh, plus clairvoyante que Dieu. Non non, euh, vous avez un objectif, le but d'une guidance. C'est de vous y emmener, de vous donner des clés, des pistes, des axes, des pistes de réflexion, des axes d'amélioration, euh, des déclics, des machins, un sourire, un accompagnement, hein, le fait de ne pas se sentir seul dans cette épreuve que vous ne comprenez à peine. Et là, le fait que quelqu'un puisse vous aider, c'est tout ce dont elle doit être, euh, comment dire, dans sa fonction. Si elle vous dit ah non, c'est pas lui ton âme sœur, mais qui elle est celle là Hein, vraiment hein moi, je ne vous dis pas, non, c'est pas lui, c'est pour que ça se produise, enfin lui, elle, pour que ça se produise, il va falloir, nanani, nanana, ok Sinon, t'en es loin. Ce qui fait qu'à la finale, oui, c'est pas lui, parce que tu pourrais craquer avant, tu pourrais faire une dinguerie, il pourrait être en couple avec quelqu'un d'autre, résultat, ça repousse de quelques machins. Non, non, moi, je vous emmène là où vous voulez être. Par contre, je vous dis, attention, comment tu te conduis, c'est tout. Voilà, ami poisson. Alors, on va très vite se retrouver puisqu'on a une pleine lune qui arrive. Elle est la pleine lune, elle est le 21, donc dimanche. Elle va être... Oula, deux cartes qui ne sont pas du tout du même d'accord. Euh, ben on va les garder, c'est un message. Il n'y a pas d'erreur, c'est le tueur. Euh, oui, donc cette pleine lune en Capricorne, double pleine lune en Capricorne cette année. Elle se retrouve dans le même signe zodiacal dans les faits, mais c'est bien là que ce verso lion qui va être travaillé. Mais là, elle n'est pas factuellement dans le signe du verso. Je vais euh, étudier la question, J'ai pas eu le temps là entre-temps. Et puis bien sûr, la guidance de la semaine prochaine. Sachez que je ferme les rideaux des guidances privées au téléphone avec moi pendant quelques jours. Néanmoins, vous avez quand même la boutique qui reste ouverte et, et si vous commandez un tirage, je vous ferai votre tirage. Euh, moi, ça me permet d'avoir un visuel plus clair, d'avoir mes journées de libre. Et euh, de pouvoir, par exemple, partir deux jours à la mer, dormir à la belle étoile, revenir, faire votre tirage en étant ressourcé de cet air marin dont j'ai bien besoin. Allez, on y va, c'est parti. Une dernière carte pour la fin de ce mois de juillet. Ah bah ben, elle est là. Ok. Tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posée et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Oh, incroyable. C'est exactement tout le résumé de cette guidance, de cette vidéo. Lâchez prise en d'autres decks. Alors pour gagner du temps, je vous fais, je vous invite à faire pause dans la vidéo et à euh, voilà juste lire le message. Pause, lisez le message. Moi, je passe à la suite. Et donc ces deux messages là qui euh, vous en choisissez un, on fait un petit jeu pour finir. Attendez, je regarde. Allez, choix numéro un. Tac, tic, tac. Choix numéro deux. Choisissez choix numéro un. Je lis votre message. Je suis mal entourée Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Lâchez prise. L'autre le vit pour que vous viviez un truc, pour que vous fassiez vous un travail d'un ami. Et quand machin l'entourage arrêtera d'interférer de, de, et vous pourrez vous reconnecter l'un à l'autre. Regardez la famille derrière le self centrage. Ça peut être votre famille à vous. hein L'autre c'est vous, vous c'est l'autre, vous c'est nous, nous c'est vous, on est tous interconnectés. Choix numéro 2, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi, je suis ton alter-ego, ton double, ta moitié, hein, non, non, ton partenaire, ta, ton élu de cœur, hein. c'est plus simple, nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être eux, réunis. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette chanson magnifique de Morane, Paix à son âme, notre ami belge, euh, qui a chanté avec Lara Fabian ce duo magnifique, Tu es mon autre, voilà. Il euh, y a peut-être un message, j'adore, c'est peut-être votre chanson qui sait peut-être ce que vous allez passer à votre mariage. Et grâce à moi, vu que vous avez suivi cette vidéo et que vous avez eu les bons réflexes de tempérance, et ben vous m'inviterez. Voilà, comme ça, j'aurai des petits dragées avec les, les amandes à l'intérieur. Voilà, merci. Allez, je vais aller bouffer parce que je parle trop de bouffe. J'ai faim. Ah, ça m'a creusé cette histoire. Je vous aime de toutes mes forces. Je vous adore. Merci. D'être. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Merci de commenter, de faire vivre mes vidéos pour qu'elles soient découvertes aussi par d'autres personnes. Merci pour les sourires qui sont vos témoignages en commentaire et euh, le ravissement que moi j'éprouve parce que j'ai été utile. C'est ce que je veux. Euh, moi, c'est mon Ikigai à moi. Voilà, je vous aime, je vous embrasse encore une fois. Tout le meilleur et on se retrouve très très vite pff, dans deux jours pour la guidance de la pleine lune et de la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao